là, le metteur en scène là. Eh bien là, nous quittons le port du Teche. C'est à l'invitation de l'ami Pierre Joubert, ici présent, et qui s'occupe de l'entreprise Éco-Plaisance, que aujourd'hui, eh bien, nous sommes conviés à faire un petit tour dans la nature. L'eau, les roseaux, nous sommes au Teche, nous sommes dans le parc régional des Landes de Gascogne. Absolument. Nous sommes également au sein du parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Et d'ailleurs, ce parc naturel marin, il vient de changer de président. Absolument. C'était François Delugas qui était le président et c'était lui qui avait été un peu à l'initiative de ce parc marin. Et depuis la semaine dernière, eh bien, c'est Cédric Pin, le maire de Mios, qui est le président. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui, Pierre ? Ben écoute, mon cher Aimé, je suis ravi déjà de vous accueillir, d'accueillir HTBA. Le principe me plaît beaucoup, déjà, c'est pour ça que je vous invite à venir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés, presque 10 000 d'ailleurs, félicitations. On va les fêter d'ailleurs, les 10 000 bientôt. Oui, c'est incroyable. On va faire une super nouba. Ouais, l'association qui se développe. Et puis j'aime bien l'esprit, les gens qui font des commentaires. Donc je voulais vous montrer quand même un petit peu notre côté du bassin, qui est le delta de l'Aïre. Donc bon, l'Aïre, c'est un fleuve côtier, pour faire un peu savant, hein, parce que c'est un cours d'eau qui se jette dans le bassin par l'intermédiaire d'un delta. Un très grand delta d'ailleurs. Et un delta, oui. Alors c'est quoi un delta d'ailleurs ? C'est une accumulation en fait de tous les sédiments qui sont charriés par la rivière, puisqu'on peut dire la rivière hein, entre nous, et des végétaux. Et donc ce delta en fait, il monte de niveau chaque année au fil des ans. Et donc on verra ce que ça donnera dans 1000 ans. Voilà. Enfin, je ne sais pas si on reviendra dans 1000 ans. Mais oui, dans 1000 ans. On sera peut-être un peu démotivé à cette époque-là. Hein. Le Milan, ici, il est royal. Il est royal. Tu peux l'observer. On va peut-être en voir, d'ailleurs. On va peut-être en voir. Et donc... oui. 1600 hectares, hein, ce delta. Oui, tout à fait. Je l'ai lu. Et donc, c'est un fleuve côtier qui fait à peu près 115 km de long et qui démarre dans sa partie, elle est dans les Landes de Gascogne, donc, dans les parcs des Landes de Gascogne. Il y a une première source qui se trouve du côté de Sabre, voilà. Et l'autre du côté de Luxeuil. Voilà. Tout ça, ça se rejoint là-bas à Mousteil, le Ourcq de l'Aïre. Voilà. Ah, bravo, c'est bien. Et tout ça pour finir ici, faire un delta. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la transition de la végétation. Comment la végétation s'adapte au milieu marin. Oui, parce que dans un sens, il y a de l'eau douce qui arrive. Absolument. Et puis, bien sûr, comme nous sommes soumis aux marées, il y a également de l'eau salée qui remonte, le delta. Voilà, là nous passons à côté de l'île de Malprat, donc les mauvais prés en Gascon. Donc c'est là où on peut observer les roselières les plus hautes du bassin d'Arcachon. Très belle roselière, oui. Voilà, donc les phragmites. Et derrière vous avez ce qui est vert, là, ce sont les baccharis. Donc là. Plantes éminemment envahissantes. Oui, ce sont des envahisseurs américains qui nous ont colonisés et qui supportent pas grand chose à côté d'ailleurs. Alors cette île de Malprat, elle s'appelle aussi île de Bassalane. Oui.
D'ailleurs, ça a été rendu célèbre par le roman de Michel Perrin, Les cotonniers de Bassalane. Les cotonniers ou faux cotonniers étant les baccaris dont tu viens de parler. Absolument. Alors, ce domaine-là de Malprat, il a une grande histoire puisque ça remonte à l'époque du marquis de Sivrac. On était à l'époque des physiocrates au XVIIIe siècle. Et le marquis de Sivrac avait trouvé intéressant d'endiguer, ou plutôt de faire endiguer, puisqu'il avait mis en concession toute la bande est du bassin d'Arcachon, c'est-à-dire l'ancienne tracée de l'Eyre, hein, parce que tu sais que l'Eyre autrefois se jetait, avant la naissance du bassin d'Arcachon, se jetait directement vers l'Erge là-bas, oui, quoi, dans l'océan. Vers le Grand Croc. Mm-hmm. Et donc, le marquis de le marquis de Sivrac, il va mettre en concession cette île, là, de Malprat, et on va voir ici, sur cette île, qui va être entourée de digues, on va voir des réservoirs à poissons, on va voir des pâturages, et même dans certains endroits, comme au domaine de Certes, on aura même des marais salants. Mais sauf erreur, les expériences de marais salants sur Malprat n'ont rien donné d'intéressant. Hein. Non, c'était du sel gris, mais ça a d'abord été des salines, et donc il y a eu la taxe sur la gabelle, oui. Et c'est là justement que c'est devenu de la pisciculture. Mais mon cher Aimé, est-ce que tu peux imaginer que la pisciculture ici, c'était 300 kg de poissons à l'hectare? C'est-à-dire qu'il y avait plus de production que la criée d'Arcachon, surtout en hiver, parce qu'on ne pouvait pas passer les passes du bassin d'Arcachon. Donc là, on faisait des huîtres, on faisait des anguilles, du bar, de la sole sur la salinité, c'est incroyable. Et tout ça, c'est de la tradition orale. Parce que si tu veux trouver des écrits sur comment on faisait, eh bien c'est très difficile. Et ça, c'est intéressant. Oui, on a quelques historiens qui se sont penchés dessus. Notamment, bon, moi j'aime beaucoup les écrits de Pierre Labatte, l'historien d'Audange et des communes voisines. Il y a quand même, d'après ce qu'on m'a dit, une faune et une flore qui sont éminemment riches ici, là. Absolument. D'ailleurs, ce delta de l'Eyre a été classé mondialement en tant que zone humide remarquable. Ramsar. Oui. Zone Ramsar humide remarquable, absolument, oui. Et oui. Et donc, on a un peu de tout. Les animaux, par exemple. Alors, tu nous parlais tout à l'heure des cistudes. Effectivement, on peut en voir ces petites tortues. Aquatiques. Oui. On a beaucoup d'anguilles, des poissons. On a un poisson qui est très particulier, que tu dois connaître parce que tu es fin gourmet, c'est la lamproie. Oui, la lamproie, elle vient pondre ses œufs dans les trous de garluche. Tu connais la garluche, hein? Bien sûr. Ce sont les concrétions de grès qui sont dans le lit majeur du fleuve. Et peu de gens savent qu'il y a de la lamproie ici. Mais est-ce qu'on a le droit de la consommer, cette lamproie ici? Oui, parce que dans la Garonne, tu sais, c'est plus autorisé, quoi. Hein? Non, mais là, il n'y a pas de pêcheurs. Et il y a très longtemps que je n'ai pas mangé de lamproie. Alors, évidemment, je sais qu'il y a des loutres, par exemple, dans le delta de l'Eyre. Je sais qu'il y a des visons. Je sais qu'il y a des chauves-souris. Des chauves-souris. Oui. Mais évidemment, là, des genettes. Oui, des genettes. Mais ça va être très difficile pour les voir aujourd'hui, en plein milieu de l'après-midi, bien évidemment. Évidemment. Et puis là, on est surtout dans le delta. Hein, donc, on est déjà sur le côté maritime. Donc là, tu as des poissons comme les mulets. Donc en Gascon, il y a le bouillaille, celui qui va au fond de l'eau. Le saoutoun, celui qui saute. Et là, on a des barres, de superbes barres qui viennent ici, qui viennent se reproduire. Des sols, beaucoup d'anguilles. Donc on a énormément de poissons qui sont par là, quoi. Mais ils sont très protégés par les roselières, vous voyez. Bien sûr. Il y a les spartines. Et ils viennent frayer là-dedans, donc ils sont très difficiles à pêcher, là, donc tranquille. Tiens, regarde, voilà des cygnes là-bas. Oui, le cygne est un animal qui, d'après ce que je sais, aime bien les eaux saumâtres un peu. Absolument. Et comme là, nous avons une arrivée d'eau douce. Et puis également, bien sûr, d'eau salée. Donc le cygne se plaît bien ici, sur le delta de l'Eyre. Thank you.
C'est vraiment merveilleux, hein, ce silence. C'est l'avantage premier du moteur électrique. On est en train de regagner le port du Teche où on peut te rencontrer, Pierre, avec ton entreprise Écoplaisance. D'ailleurs, je suppose qu'en tapant Écoplaisance le Teche. Oui, Écoplaisance du Delta, tout simplement. On n'a pas de concurrence. Vous allez trouver de suite.com. Voilà. Il y a un site internet. Et surtout, venez nous voir. Ben oui, et puis là, je pense que les téléspectateurs de Bassin TV auront apprécié ta gentillesse et tes compétences en matière d'environnement et de navigation, bien évidemment, parce que je sais que tu es un grand navigateur devant l'éternel. Il faut toujours rester modeste par rapport à la mer, mon cher ami, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et plus on avance dans l'âge et dans l'expérience, plus on a peur et plus on navigue prudemment. Mais oui, c'est ça l'avantage. L'avantage de l'expérience. De l'expérience, tout à fait. Merci beaucoup Pierre pour ton invitation. On remercie les passagers également. Bien sûr, merci. Chloé, oui. Et puis Louise. Et puis évidemment l'incontournable Elisabeth. Elisabeth. À la caméra, Damien Geffray. Merci Damien. Et à très bientôt, le plaisir de vous retrouver. Et merci à HTBA et à très vite. Et puis bon vent à HTBA. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font. Ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon? Frédéric. C'est un miracle. Le miracle de la famille, c'est le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. Chers amis, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette. Si vous entendez mon message, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la chapelle des marins. Bonsoir. Bonsoir.